395, l'Empire romain est séparé en deux. L'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Les Huns, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Francs, les Jutes, les Angles, les Saxons, tous ces peuples barbares et bien d'autres encore, envahissent l'Empire romain d'Occident qui s'effondre en 476. En Scandinavie, les peuples germains du Nord mènent une existence très pauvre. Ils construisent des bateaux pour se déplacer, commercer et partir chercher une vie meilleure. En ce temps-là, la princesse Alwilda, fille de Sinardus, roi du Gotland, cachait sa grande beauté, enfermée dans un château solitaire. Oh, princesse Alwilda, la réputation de ta beauté a traversé les frontières du Gotland pour arriver jusqu'à moi, Alf, fils de Ségur, roi du Danemark. J'ai demandé ta main à ton père, le roi Sinardus. En signe d'amitié, il m'a autorisé à combattre les serpents qui protègent ta chasteté. Lorsque j'aurai vaincu, je pourrai conquérir ton cœur. C'est ça, compte dessus. À moi, créature des enfers! Vous appartenez déjà à Odin! Je te poursuivrai, Alwilda! Tu peux t'enfuir au bout du monde! Je te rattraperai! C'est avec joie que nous avons troqué la quenouille et le métier à tisser contre l'épée et le bouclier. Nous sommes libres et nous sommes riches! Notre dragon a effrayé les villages et nous avons vendu nos prisonniers comme esclaves. Les bateaux marchands nous ont cédé leur cargaison de fourrure, d'ambre et de bois précieux. Mais notre bateau est en mauvais état. Ces hommes m'ont élu pour remplacer leur capitaine disparu. Avec eux, nous multiplierons nos forces. Es-tu sûr, Alwilda, que nous pouvons faire confiance à ces hommes ? Hélas, nous n'avons plus le choix. Alf est à notre poursuite. Il nous faut des forces pour le combattre. Il faut aider Alwilda. Bah, et toi alors? Moi, je cherche mon arc et je vais aider la vigilante. Bah moi, je cherche mon bouclier et je vais aider Alwilda là-bas. Enfin te voici, princesse. Je t'ai cherché sur toutes les mers. J'ai bravé mille dangers. Parce que je te veux pour femme. Et mère de mes enfants. Tu m'as vaincu, Alf. Je consens à t'épouser. C'est ainsi que, sur le pont du bateau, les épousailles furent prestement célébrées. On ne sait pas s'ils eurent beaucoup d'enfants, car la légende ne parle que de leur fille Gurrit. Mais ce que l'on sait, c'est que les descendants des peuples scandinaves navigueront de plus en plus loin pour piller les richesses des autres peuples. Leurs victimes terrorisées les désigneront sous le nom de vikings, ce qui veut dire pirates. Enfin, peut-être.